Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les potes. Et là, je pense que ça suffit. J'ai eu l'idée du siècle. Voilà, elle a vraiment eu l'idée du siècle. Je bon. Savais que t'étais super intelligent, mais ça fait pratiquement une semaine qu'ils sont au courant qu'il y a une pièce secrète. Ouais. Mais pas des moindres. Je vous assure les gars, la pièce secrète, on se fout pas de votre gueule. Et aujourd'hui, on va vous montrer, pas la pièce secrète parce que sinon ce serait trop facile. Aujourd'hui, on va vous montrer des trucs que vous allez voir durant cette vidéo. Ça va être plus que des indices parce qu'on vous avait déjà donné des indices. On vous avait déjà donné donc du coup combien la pièce faisait de mètres carrés. On vous avait même donné des indices avant qu'on emménage à la maison. Mais aujourd'hui, ça va pas être des indices les gars. C'est carrément, on va vous montrer des trucs. Et peut-être que vous allez peut-être pouvoir deviner avec ça. Et puis même, c'est des trucs qui sont dans la maison, qui servent à rien. Et du coup, on peut vous y montrer. Ouais. Et qui sont en rapport avec la pièce secrète. Enfin, même pas qui sont en rapport avec la pièce secrète, vous allez voir. Bon, bienvenue sur cette vidéo, les potes. Avant de commencer, bien sûr, on n'oublie pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très très important. Et le code duo d'un boutique Fortnite, ça fait très plaisir aussi. Le décor pour le setup, il arrive bientôt, les potes. Juste qu'on attend. En plus de ça, il y a plein de trucs qui doivent arriver. Donc. Voilà, le décor, ça va arriver, je sais pas quand exactement. Je pense que dans 2 semaines, on a notre décor en gros. Ouais. Tout notre décor. Ouais. Du coup, les potes, aujourd'hui, on a fait pas mal de choses. Il y a une vidéo normalement qui va sortir. Je sais pas si elle sortira ce soir ou demain sur la chaîne secondaire, les potes du off. Donc, on vous la mettra en description. C'est un petit défi qu'on s'est lancé. Je pense que ça peut vous plaire. Ma petite Vava, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti une vidéo aussi sur sa chaîne. Ah, je tryhard. Ah, tu travailles d'arrache-pied. Elle a passé je sais pas combien de temps sur son montage et a tourné sa vidéo. Elle a tourné ma vidéo jusqu'à 10h du matin. Ouais. J'avoue, hier, elle a tourné sa vidéo pendant le live. Du coup, n'hésitez pas à aller voir aussi. Ça concerne aussi une nouvelle maison. Donc, voilà. C'est parti. C'est parti. On va où C'est où que tu veux? Oui, dans le garage. Et oui. Attends, je vais mettre ma veste. Viens, on sort par l'extérieur. J'avoue, j'ai froid là. Il fait trop froid. Il faisait super beau ce matin. Maintenant, il fait froid. Ça me dégoûte. Dégoûte, frère. Tu prends les clés au moins? Oui, oh, c'est parti. Aujourd'hui, c'était vraiment agréable parce qu'il faisait beau de ouf. Là, il fait un peu moins beau, mais ça va. En fait, le soleil, il est parti le soleil. Il y a plus de soleil. En tout cas, les chiens, ils étaient contents et tout. Il faisait beau, ça fait plaisir. Et en plus de ça, il prévoyait du beau temps. Alors, ma fille, t'as pris les clés? Ouais. J'ai trop peur à chaque fois. Regardez, les chiens, ils s'amusent comme des fous. Bon, let's go. On est parti, on n'est pas là pour voir les chiens hein, qui s'amusent comme des fous. Je dis, il faisait beau, mais il s'est mis à faire froid là. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à l'extérieur? Putain, j'ai pris le bip qui marche pas. Ah ouais? Oh, chaud. Bah, va prendre le bip qui marche, je vais juste voir à l'extérieur. Parce que je crois que là, il y a des trucs, je suis pas sûr. Bah alors, les chiens? Xena? 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 Elle est belle. Pourquoi on va dans le garage? Oh, il fait froid comme je l'aurais dit. Wow, il faisait pas ce matin, mais il fait froid là. Oh, il fait froid ça. Mais... Alors je vous explique aujourd'hui pour qu'on se retrouve un peu dans le garage, les potes. Gros, dans le garage, l'ancien propriétaire, il nous avait laissé des chutes en gros de pièces qu'il y avait. Donc ça veut dire par exemple, là j'ai une chute. Pour ceux qui reconnaissent, là j'ai une chute donc qui va dans le salon. Donc ça c'est le sol, c'est du stratifié je crois ou un truc comme ça. Un truc du style. Ouais, un truc du style. Et en gros, ça, c'est une chute qui va sur le sol du setup. Et du coup, dans la pièce secrète, on a aussi pas mal de chutes. On va vous montrer un petit peu. Justement, c'est ça aujourd'hui, c'est même pas un indice ou quoi. C'est carrément, on vous montre les revêtements qu'il y aura dans la pièce secrète. C'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, les revêtements. Il n'y a pas tout en vrai. Tu vois, c'est bien, on a pas mal de chutes ou quoi. Il nous avait laissé de la peinture et tout. Il est généreux. Gentil. C'est le plus beau, ça, en vrai, ce qu'il y a en dessous de moi. Mais. À la fin! Utilisé pour décorer? Je sais pas, mais c'est trop beau. Je vais pas dire quoi et où, parce qu'en fait, on a plusieurs revêtements. Je me rends compte, on en a un de plus que prévu. Ben, on en a 4 là. On a 1, 2, 3, 4 revêtements différents. Je vais pas dire quoi et où, parce que sinon, ça serait trop beau. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas tout. Mais déjà, c'est pas mal. Premier. Mais c'est vraiment vrai, les gars, par contre. C'est pas du mytho. De toute façon, ouais, vous verrez quand vous verrez la pièce secrète. Premier revêtement de la pièce secrète. C'est beau, non? Est-ce que c'est beau? Je vais pas dire où ça va. Je dis pas parce qu'il y a plusieurs endroits. Je vais pas dire où ça va. Voilà. C'est quoi comme style revêtement? C'est un peu. Je sais pas, mais c'est style marbre. Ouais, c'est style marbre un peu parce qu'il y a des espèces de traces dessus. On part du moins beau. Non. Ah non, ça c'est pas le moins beau. Ça, je dirais, ça c'est le deuxième moins beau. Le dernier est ouf. C'est tout ce que vous avez. Voilà. Le dernier est ouf, c'est vrai. Maman a raison. Ah, là, les gars, on se fout pas de votre gueule aujourd'hui. C'est du. Tu veux montrer le deuxième? Ouais. Je me tape celui-là. Ouais. Celui-là, c'est le moins bien. Ouais, si, c'est le moins bien. Il y a celui-là. Voilà. Donc, c'est un espèce de revêtement, une imitation pierre, en gros. Après, est-ce que ça va sur les murs, les plafonds, les sols? On sait pas. Ah, mais si on commence à montrer. Nous, on sait. Faut en montrer un autre. Ah, les deux, ils se ressemblent, les deux derniers. Mais c'est plus beau. Incroyable. Attention.
Waouh. Regardez, les gars. Il est un peu sale, c'est normal, c'est parce que c'est une chute. Regardez ça, les gars. Ouais, ça a pris la poussière, c'est plein de poussière, mais regardez. On se fout pas de votre gueule, les gars. Regardez comme c'est magnifique. Vous pouvez voir. On sait pas où ça va. Ah, qu'est-ce que t'en penses, bah, franchement. Oh, je sais où ça va, putain. Mais... Oui, mais qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi, j'ai envie d'y mettre en mode déco sur un mur comme ça, là. Il est beau. Hein. Genre comme ça. Ah ouais, je me vois tant. Oh. T'as vu ça? Mais c'est vraiment. Et le dernier pour la fin, il est magnifique. Je vais essayer de montrer. Moi, je kiffe de ouf. On le montre ou pas? J'ai excité là. Celui-là, les potes, il est vraiment beau. Je sais que je le dis souvent dans les vidéos en ce moment, mais c'est la stricte vérité. Le propriétaire avait du goût de ouf. Parce que c'est vrai qu'on l'a visité il y a longtemps, la maison. On l'a visité quand? Il y a 6 mois environ. 6-7 mois. Et quand on l'a visité, vraiment, je dis pas que c'est que pour ça qu'on a acheté la maison, mais les revêtements, franchement, les revêtements, les matériaux qui étaient utilisés de construction, etc., etc., on s'est dit, tu vois pas ça de partout, tu vois. C'est vrai. T'es d'accord avec moi? On peut le montre? Vas-y. Les chiens, vous êtes excités ou pas? Est-ce que vous voulez le voir? Eux, ils s'en foutent. Eux, tant qu'ils ont leur jardin. Et... Xena, t'aimes bien les revêtements ou pas? Elle sent car l'oignon, là. Je suis à la fois content. Et pour ceux qui demandent aussi, juste avant que je vous montre, il y en a plein qui se disent, ouais, il faut que vous nous montriez la pièce secrète, etc., etc. Mais c'est du gâchis. Et pas en fait, fini. Le problème, c'est qu'elle n'est pas finie, les gars. Et je vous l'ai dit, en fait, pas finie, bah, c'est con et ouais. C'est nul. Ouais. C'est en ouais, fait c'est elle nul. Sert à rien en c'est fait nul, ouais. Non je le dis, je peux le dire, surtout que vous aurez droit à un avant après. C'est un autre indice, ouais, c'est un autre indice, mais je peux vous le dire les gars, enfin ouais, c'est même pas un indice en vrai, pas fini les gars, bah la pièce elle fait rien en fait, c'est juste une pièce, ouais. C'est juste une pièce vide en fait, pas fini, vu que la pièce est pas finie. Du coup on attend, je vous avais dit la dernière fois quand on vous a dit, bah il y a une semaine, je vous ai dit que la pièce secrète, le temps qu'elle soit finie, faut compter à peu près 1 à 2 mois. Du coup, là, il reste quand même un peu de temps. Mais moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à vous la montrer. Et alors qu'il n'y a rien dedans, en fait, au final. Ouais, c'est con. Vrai. Je sais qu'il y en a, limite, qui sont énervés, qui disent « Ouais, au final, vous ne montrez pas. » On a montré quand même toute la maison, les gars, assez rapidement. C'est parce vrai. Que moi, il n'y avait même vous... pas les découvrir. Moi, je voulais vous faire patienter. Vava a dit « Non, mais on ne va pas les faire patienter. On n'est pas des bâtards non plus. » On vous a tout montré. Bien que on n'a pas fait encore le house tour où on a vraiment tout montré, toute la maison, etc., etc. Mais ça arrivera plus tard quand il y aura toutes les décorations. Du coup, voilà. Ça, limite, c'est même pas un revêtement, c'est une décoration. Frère, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, ouais. Les gars, dans les commentaires. Ça vous laisse, je pense, imaginer plein de choses dans la pièce secrète. Mais voilà, un petit peu une partie des revêtements qu'il y aura donc dans la pièce secrète. Bah là, il y en a là. Voilà, ouais. Pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux ici. Donc, voilà, je vous le dis, hein, au cas où, c'est pas de l'or. Hein. Quand voilà. Même, peut-être un pouce. Non, mais bon, voilà, pour dire. Mais c'est de l'or, c'est du diamant. Non, pas du tout, c'est... C'est l'imitation quoi. Oui, c'est l'imitation, du coup là. Mais c'est joli. C'est vrai. Mais c'est beau. Et je peux vous assurer que ça rend beau là-bas. Il caille. Hein. Ah, ça j'ai pique. Froid. Et sorti, il faisait grave beau. Oh. Regarde ce que j'ai dans ma poche. Ça, c'est les joies du déménagement, ça. Tu vois, mettre des trucs dans les poches. Oh, le kangourou là. Non, Bob. Ils vont le manger. Non, rapporte Xela, rapporte. Vous savez que les gars, et la dernière fois, bon, petite info en fin de vidéo, mais juste la dernière fois, on a regardé à combien couraient nos chiens, enfin à peu près les races de chiens qu'on a. Et un Jack Russell, ça court entre 40 et 50 km/h, donc déjà c'est rapide, en sachant que les chiens les plus rapides du monde, c'est les lévriers, les gars, qui courent à 70, jusqu'à 70 km/h. Et je savais pas, mais un pitbull, ça court jusqu'à 60 km/h, c'est ça, ce qu'on avait vu. Ça court vite, hein. On est d'accord? Non, oh non, là, tu lâches. Ah, si. Bon les gars, si vous êtes là jusqu'à ce stade de la vidéo, mettez pouic pouic dans les commentaires. Si vous êtes là à ce stade de la vidéo, mettez dans les commentaires. Ah, vous voulez que les commentaires vous voulez ça, mais... C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, je pense qu'on est quand même assez gentils. Parce que comme je vous ai dit, les potes, on n'en démordra pas, on vous la montrera pas avant. Et ça va, arrivera pas à me faire craquer. Ouais, façon, non, mais c'est vrai. T'es ça pas d'accord pour intérêt, la montrer avant, ça on est d'accord. Non, on a dit, enfin, si, pour ceux qui se rappellent, quand on a fait la vidéo pièce secrète, donc il y a une semaine, on a dit s'il y a 30 000 likes sur la vidéo, on la montre avant. Il n'y a pas eu 30 000 likes, on a eu, je crois, un truc comme 10 000, oui, enfin, 10 000 et quelques likes, je crois, un truc comme ça. On donc, mettra la vidéo dans la description si vous oui, voulez. Oui, mais... énorme, tu vois, 10 000 et quelques likes. Mais je pense qu'il vaut mieux que vous la voyez finie, la pièce. Ouais. Ça vaut mieux pour vous. On vous dit à ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!